Globalement, il n'a pas l'air d'être pressé. Donc, il y a eu beaucoup plus là. Il fallait régler le problème de l'accessibilité. C'est le problème de David. Il y a quatre, c'est un bâtiment qui est en cascade. Donc, il y avait des accès vers Suto, n'était pas. À l'époque, il n'y avait pas d'accès à la création de l'ascenseur pour la facilité. Il y a eu la création des noyaux centrales, la création des piscines, une salle de également, l'augmentation de capacité de chambre aussi. Voilà, en gros, c'est ce qu'il y a eu en plus de la réhabilitation, en plus de la chambre psychiatrique, etc. Donc le taux d'avancement est à combien? Là, actuellement, il est estimé à peu près à 64%. En tout cours d'état, y compris les ascenseurs, les accès des différents bâtiments, etc. D'accord. Et en termes de délai, je crois que... En termes de délai, maintenant, bon, le délai contractuel, c'est après avec les avalanches qu'on a signé avec vous. Oui, c'est bien. Voilà. D'accord. Donc en gros, il y a eu même la charte, toute la charte a été refaite. C'est bien. Dans un état, il fallait donc faire. Pas de jamais les délais supplémentaires. Justement, les délais, c'est l'entreprise qui va normalement se prononcer. D'accord. Et donc, délai contractuel par rapport au marché, c'est le 31 juin 2023. Et vu que les équipements, c'est un peu spécifique, qu'on les importe, ça on a le retard à les douanes, l'importation. Parce que les lots techniques à importer, on a travaillé avec des grandes marques pour l'hôtel. Donc il y aura un glissement de un mois après le 31 juin pour être en état de bon. Là, c'est en dehors de votre engagement par rapport au marché. Le 31, vous avez signé un marché, j'imagine. Oui, oui, oui. Pour lequel vous vous êtes engagé sur le délai. Et le choix, il a été fait par rapport au délai. Parce que vous avez été parmi ceux qui ont proposé un délai plus réduit. Oui. Et si maintenant on vous accorde encore un délai supplémentaire, on va fausser en fait les règles de la concurrence. Mais. Vous avez été retenu du fait que vous êtes performant en matière de délai. Et là, vous me dites, j'ai besoin d'avoir une rallonge. Non, puisque l'hôtel Kadim Chouya, on a créé des galeries souterraines. C'était CDE-CTC. À chaque fois qu'on a dit d'achlo, parce que c'est des murs porteurs, c'est tout à fait technique. Ce sont les aléas du chantier. Oui. Je suis du métier, je suis architecte de formation, donc je connais les aléas du marché, etc. Oui. Et là, il vous appartient pour être en règle vis-à-vis de l'administration, oui. Pour respecter vos délais et pour vous nous donner votre volonté de réaliser quelque chose de qualitatif. Et à partir de là, on peut vous confier encore d'autres choses. Donc là, mettez le paquet, doublez votre équipe, augmentez votre capacité de réalisation et on se voit la fin juin, Inch'Allah. Alors, hadou les alliés administratifs, vous devez les surmonter. Oui, oui. Maintenant, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, nous avons les interlocuteurs de Tawad, le HTT, le directeur du tourisme localement. Vous faites appel à eux et ils sont prêts à vous accompagner, à vous aider. Mais ce qui compte, que vous soyez au rendez-vous. Vous pensez que 40
60%, on va les réaliser en un mois. Non, c'est des et les 60%, on les a réalisés en... Non, c'est pas... Les équipements. Non, parce moi, je vois les choses, tout est à l'état brut. Je crois qu'il ne faut pas que la visite de M. le ministre soit une occasion pour miroiter des choses. Je le responsabilise. 2 mois. On est bien fermé. Donc il y a 2 mois. On regarde 30 juin. L'année dernière, on a augmenté son effectif aussi d'augmenter ses capacités de réalisation et de surmonter toutes les difficultés à lui qui sont beaucoup plus administratives que techniques. Donc à partir de là, je suis obligé d'appliquer les clauses du marché, c'est-à-dire les pénalités de retard. Et en plus, je le mettais dans une shortlist, blacklist, c'est-à-dire qu'il n'aura plus la possibilité de réaliser le projet. Maintenant, s'il me montre la volonté de réaliser dans les délais, la qualité voulue, vous serez avantagé par rapport à d'autres projets. Oui, moi je sais. Parce qu'on va le voir vers notre projet où il est en train de faire du bon travail. Absolument. Donc il faut que la coordination soit la quête. Qu'il y ait un bloc central, par exemple, il a fallu... Thank you.